pas sur le graph. Moi aussi, je serai. Oui, oui. Ouais, j'étais sur le top 8. T'as vu ? Oh, vraiment. Legacy contre Jirige. Hein. Ouais, ouais. Jirige, c'est une petite team online que j'ai vu. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais, ouais. C'est sympa, ils font leur tournoi le dimanche. Ah, moi, je connaissais pas. Oui, c'est Bidou qui me l'a dit tout à l'heure. Toujours le petit tournoi hebdomadaire le dimanche. Ah ouais. N'hésitez pas, du coup, à aller les voir. Hein. On demande que je connais et que je l'ai fait. Ah ouais ? Je fais pas tout le temps, mais ouais. Ah, sympa ça. Y'a des bons joueurs là-bas ? Ah bah, justement, y'a Jirige dans le chat. Ouais, 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 depuis tout à l'heure, il est là. Je l'avais pas vu. Il vient soutenir son joueur. Ah bah, ouais. Du coup, match-up, enfin, Daisy contre. Daisy contre Banjo, je sais pas, ouais. Je sais pas pourquoi il est le match-up là en vrai. Hein. Ouais, c'est pas dire du tout. Hein. Tous les deux un petit peu zoning avec Nave, Uff et tout. Bah c'est vrai que Banjo il cherche beaucoup à. Ouais ouais ouais. À Space et ouais. À zoner. Ouais. Mais quand même, tu peux jouer hein, même que t'as Nave ou pas, tu peux y aller, hein, tu peux te faire plaisir. Ouais ouais ouais. Et on voit la stock qui était prise. Hein. On prend le avec ce back air, hein, ce magnifique back air. On prend la première stock de ce set. Qui je le rappelle. Bêtises, ils sont déjà joués en winner tout à l'heure, non ? Je suis pas sûr, je pense pas, non. Je sais pas, attends. Et la stock qui a été récupérée par Naiden. Attends, on va voir. Ici, hein, ils ont ah si, Naiden, Fubuki, si, ils ont joué tout à l'heure en winner. Ils se sont tous les deux fait envoyer en loser. Et tout à l'heure, c'est Naiden qui a gagné, donc à voir si Fubuki va trouver les réponses par rapport à tout à l'heure. Ah bah, peut-être maintenant, il a appris du MU, hein. Peut-être. Parce qu'en vrai, Banjo, ça reste quand même assez obscur hein, quand tu connais pas. Donc, ouais, ouais, ouais. Pas mal de te faire avoir sur des trucs. C'est vrai, hein. Et ouais, hein, Fubuki, là, c'est son football, il connaît ses trucs, hein. Ah oui, ça... Fubuki, je pense, a un net avantage mécanique, hein. Oh, on a essayé de tout frame avec le ouais, avec ouais. Smash, tu dans la gueule. Mais bon, évidemment le side B intangible. Ouais. C'est pas qu'il est intangible. Bah non, oui, il est invincible, pardon, je me suis gouré. Il est invincible, surtout ouais, la durée. Fubuki a essayé de reverse, mais bon, le side B en réaction. Ouais, ouais. Bien oh. Finir, hein. Le down smash était couillu. Ouais. Alors, ouais, ouais. Ah ben... c'est Banjo, hein, des fois. C'est Banjo, hein, écoute. Hein. Ah, dommage. Il va pas prendre ce ledge trap. Ah, la petite grenade qui va pas... Qui va faire mouche. Attention. Oh ! Et vraiment, Naiden qui est confiant en ses 7B. Hein. Oh ! Y a plus oh, le kill de... Oh, le kill oh, le kill, on a vu. Oh. Ah, il déteste le MU. En même temps, je peux le comprendre. Hein, c'est... Non, mais... le snap était vraiment beau. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute sa team là dans le chat. Ah, hein, vraiment tout le monde qui est là pour le tout le monde derrière lui. pour l'instant, c'est assez even hein, des ouais, deux côtés. Hein, en vrai, il est bien monté. Il avait une stock de retard. Là, c'est vraiment ouais, ouais. Even. Et quasiment la stock. Hein. Attention. Ah, ah, mais là, ce graph. Ah, c'était. Oh, oh le, bon machine, le bon machine qui l'a sorti. Oh, le machine de. Le machine à 120%. Ouais, machine, hein. Ah ouais, ouais, oh ouais, machine de fou. Team long coup, voilà. Team long coup. Ah, c'est vrai, attends. Ah. Oh, le dinosaure, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu ça. Ah, la descente du boug. Il boit le lundi, il est bourré le mercredi. Parle bien. On fera passer le message, Ted. Ah bah, on fera pas passer le message. On fera pas passer. Il en saura rien. Il en saura rien, c'est tout. Et du coup victoire de Fubuki hein. Ouais. Eh, il a fait une remontée. Belle remontée hein. Ouais, il ouais. A fait une très très belle remontée, c'était beau. Ah ouais, il était la stock avec 100% et au final il arrive à récupérer cette game. Franchement, hein. Pas mal hein. Belle remontée. Voilà Fubuki qui prend toute la cam, il vit pour les caméras hein, vraiment. Ouais, c'est terrible. Bon, en fait, j'avais dit qu'il allait dire, mais en fait non, il est vraiment en face. Il est vraiment en face. Ah, donc il y a une grosse déception côté Amateur Bracket. Amateur Bracket pour l'instant ça veut pas hein. Oh c'est beau. Oh la transition est parfaite.
Comparé à tout à l'heure. Le timing était parfait. Hein, comparé à tout à l'heure où j'ai raté toute une game. Non, sérieux? Oui. Ah, merde. Tout à l'heure, j'ai vraiment raté vraiment toute une game. Genre, je suis arrivé pour la fin. Tu sais, j'avais laissé la cam commentateur. Ah merde. On voyait commenter un match qui n'existait pas. C'est une bavure qu'on. Aero, il va m'engueuler pour ça. Oh. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait là depuis tout à l'heure avec le neutral B, il saute en même temps. Ouais, ouais. J'avais pas mais ça c'est un petit trou combo à bas pourcent. Si tu touches un 9 et tu peux juste faire ton saut et en remettre un. Et... Ah ouais. Après je suis pas sûr que t'aies du follow-up là-dessus mais. Je sais que ouais, tu peux faire des petits trucs avec Tout à l'heure contre Ecos il arrivait un peu à follow-up. Hein. Il arrivait un peu avec des ouais, ou des punir, des fers. Ouais, fait, ouais. Machine, mais ça oh le fer qui va faire mal, qui est je le rappelle le fer de Mario mais en moins bien. Il n'y a pas de spike. Mais oui, il y a une patate quand même. Mais il y a une grosse patate hein, il met la petite patate et au final, de poids. Le side B qui est venu contre ses stocks hein. Ouais hein. Mais Fubuki qui met bien la pression, il a remis off stage mais. Ouais, Fubuki encore une fois le side B hein, qui nous casse bien les couilles. Oh le counter qui va malheureusement va pas tuer. Évidemment, hein, c'est qu'une dash attack, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Mais fais attention, toi t'as pas regardé la FD sur Peach qui est sorti récemment. Comment ça? Le counter de Peach mettra toujours 25% peu importe le coup que tu mets dedans. Ah ouais? Ouais, tout. Ah, oui, c'est vrai, il a arrêté de faire. Oui, qui est. Ouais, il est sorti l'autre jour. Ah oui, c'est vrai, même ATK, il était on fire là, ce jour-là. Hein. On va jamais parler sur le Discord, mais là il était actif. Hein. Ah là, il était là pour défendre son perso. Hein. Ah bah, et tout le monde serait là. Oh, dommage. Oh là, c'est toujours ces side B punitifs, il en rate quasi aucun. Hein. Ouais. Il est vraiment chaud hein, sur ces. Bon, mais évidemment. Faut que je dise ça. Non, mais il a raison parce que le side B il peut tout frame. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais il peut tout frame. Hein. C'est vrai, du coup, compte tenu qu'il garde tout le ledge. Et ce tilt qui tue. Hein. Oh, le tilt, je savais pas que c'était aussi fort. Ah, c'est nani le tilt. Hein. Ah, vraiment? Oh là là. Oh là là, il était magnifique. Et du coup, on est revenu du mal. Ouais, encore une fois, Fuki revient. Ouais, ça se passe en rien. En fait, j'ai vraiment l'impression que. À chaque approché, hein. Il a capté qu'au final, après ouais. C'est chiant, hein. Du coup, juste, bah. Juste, il le laisse venir. L'autre, il reste avec son AV, viens, hein, mon gars. Ouais. On t'attend. Oh, mais c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque game, en fait, il analyse comment il joue. Et c'est en fin de game qu'il vraiment, il se réveille de fou. Et il arrive enfin à faire des trucs. Naiden aussi il joue très bien autour du navet, tu vois, il a bien l'impression quand il a pas le navet, il peut pas le sortir. Mais quand il l'a, il respecte beaucoup parce que une fois que Peach a son navet, elle peut pas te grab. Donc c'est là où tu peux abuser de ton chip parce qu'au final... C'est ça. T'es plus ou moins tranquille. Oh là là, mais c'est... Side B, hein, ah c'est side B vraiment. Ah c'est... un bel outil de dedans, hein. ça aide beaucoup. Ah de fou. Ah et ce contre le au final... Le Dunfield, l'œuf. Le downfield, oh là là! Ah, il y a plus de saut, hein. Attends, mais elle revient quand même! Il a bien géré avec point B pour pouvoir revenir. Ah, vraiment? Il est chaud! Oh là là! Dommage, il a vraiment pris les dernières fois. Il a voulu courir! Il a voulu courir into vouloir! Ouais. Mais ce Banjo qui met bien l'impression, hein, une fois qu'il t'a mis dehors, il a bien l'impression, il veut pas te laisser sortir. C'est ça, mais attention! 140% des. Il n'y a pas de navet, du coup, Naiden il lui court dessus, il va pas le laisser tranquille. Hein. Ouais, bah là, mais il a raison, hein, de faire ça. Il met la pression, il peut pas le laisser. Hein. Il peut pas le laisser surtout là. Quand tu regardes cette pitch, elle est bientôt morte. Hein. 150%. Bah oui, chef, c'est dédié. Mais ouais. Pardon. Attention, il y en a un qui va taper. Excusez-moi. Il y en a qui vont taper là. Oh. Attends. Sniper, encore une fois Attends, quoi? Oh, il est trop chaud. Bah ouais. Il nous a fait une recover à la Link. Ouais. Oh, sa grenade expect Oh là là, le fer. Le fer. PC au qui va finir cette game. Ah là 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 là. Ah, c'était une belle game. Les games sont très serrés. Hein. Ah, vraiment, c'est du beau smash qu'on voit. C'est du beau smash. Et ouais, en plus, je trouve que franchement, les deux, ils jouent pas bien le match-up. Hein. Ah, vraiment? Ils sont vraiment trop chauds, ils arrivent vraiment à... beaucoup, ouais, ils savent très bien ce que l'autre cherche et du coup ils jouent vraiment en fonction de ça, c'est... Ouais, ils ont une capacité d'adaptation de fou. Mais comme on l'a vu, ça pourrait partir des deux côtés. Hein. Ah vraiment, hein. Ça c'est un chien. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il devient fou. Et c'est parti.
Troisième game. 1-1. Ah ouais, les croptés contre les Golemontins. Ouais, les non-teams, là, l'amateur, c'est du 2v2 et vous entendez les non-teams. C'est ah, les non-teams, vraiment, il y a 0 inspi, c'est fou. Ah, il y a plus. Attends, oh, attends, il a mis une phase de fou par contre. Mais il a mis simple. Ouais, vraiment, il a mis simple, mais. Oh. Oh. Le match qui va pas tuer, malheureusement. Oh. Ouais. Oh là là, mais. Oh. Ah, le contrôle qu'il a en. Le contrôle qu'il a avant le jeu pour revenir, c'est fou. Il gère vraiment très bien son offstage, je trouve. Nathan, il arrive bien à remonter. Il est vraiment trop chaud. Et au final, Kubuki, il va pas faire plus que ça, hein, parce qu'il va. Oh là là, le machine de fou. Ah ouais. Ah, il peut. Ouais, non, il. Là, malheureusement, le machine, il était pas assez bon. Il a pas réussi à sortir assez vite. Il a eu le temps de manger le smash. Ouais, ouais, bah après, 100% quand même. Il est quand même récupéré par Kubuki très vite, hein, pour faire et. On est de retour à Ivan, hein. Ouais, ouais, ouais. Pas eu le temps de gratter du côté de Naiden, mais. Oh là là, il a retenté de mettre les petits œufs. Ouais, bah, c'est des pourcents gratos, hein, ouais, ouais, ça se gratte, ça se gratte. Quand même, toujours 0% le Naiden. Il a été raté, malheureusement. Vraiment. Non, là, c'est. Il est vraiment très très chaud. Hein. Il fait très bien les deux, c'est propre. Vraiment, j'ai. Vraiment fou. Qui a trop du mal. Mais c'est dur, hein. J'ai l'impression que Kubuki, par contre, il a beaucoup de mal quand il est offstage contre Banjo. C'est, ouais, ouais, c'est ouais. Pas évident à chaque fois de revenir. Alors que Banjo, contrairement à cette vilaine Peach, parce que là c'est Peach, hein. Faites attention. Là c'est Peach. Je suis pas trompé. Contrairement à Peach, il peut toujours arriver à remonter avec ses side B, ses down B. Donc, ouais. Il a des options pour remonter et justement libérer un petit peu ce bord. Ouais. Ouais, encore une fois. Ah, oula! Ouais, ce side B, je pense qu'il a voulu prévoir un saut pour le punir, mais il a essayé de le read, mais malheureusement. Ou alors peut-être essayer de reset le neutral, hein. on sait pas. Je pense pas parce que là, comme la Peach, elle a pas de navet dans les mains, il cherche vraiment à lui coller le cul. Hein. Tu veux pas aller laisser respirer quand elle a rien dans les mains. Ah, mais par contre, il a un contrôle de stage. Mais il a un contrôle de stage, Naiden. L'avantage de Naiden, il est vraiment propre. Hein. Il veut pas le laisser. En fait. Je viens de voir quelque chose, attends. Qui n'a pas son perso. Qui n'a pas son personnage. Oh, attends, il y a un break chain. Oh non. Ah voilà. Oh. On l'a pas vu, mais ouais, il y a un setup avec Peach où tu peux aussi break. Ah ouais. Justement, tu jettes ton AV en l'air, je crois, tu peux faire side B et t'as un autre coup à mettre encore dedans. Putain, c'est. Et si tu dors, tu peux te faire break chain. Oh la vache. Bah vraiment, ouais, on l'a pas vu. On était en train de changer l'overlay, désolé. On était en train de gérer l'overlay, malheureusement. Alors, vous, sur le stream, normalement, vous l'avez vu. Ouais. Ouais, c'est quelque chose, hein, quand on connaît pas, ça peut surprendre. Non, eux, ils voient pas. Ah, ils ont juste vu ça apparaître, c'est tout. Je veux dire, ils voyaient la game pendant tout le temps. Ah oui. Oh là 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 là. Et au final, ouais, la game qui récupère son par Naiden, c'est un gros side B, hein. Ouais. Encore une fois. Qui est vraiment. Attends, là du coup c'est BO3 ou BO5? C'est BO5. BO5 là, hein. Ouais, ok. J'avais un doute tout à l'heure, mais. Ouais, non, c'est bien la finale. Je t'en ai pas pris beaucoup, chef. Ici on fait winner finale, loser finale et. Grande finale en BO5. C'est... Ok. D'ailleurs, j'avais une question. Ouais, je comprends pas le concept de reset en finale. Ça veut dire quoi en soi? Mais en fait, c'est pour que tout le monde ait plus ou moins les mêmes chances parce que là par exemple, les deux sont. Là, on a la loser finale, donc il joue pour la 2 ou 3ème place. Enfin, pour aller en grande finale, rejoindre Ecos, ou pour la 3ème place. Ouais. Et comme eux, ils ont justement eu deux vies, entre guillemets, ils ont perdu une fois en winner et ils ont eu leur chance en loser. Ouais. Le reset, il sert à faire en sorte que tout le monde ait la même chance et que Ecos, par exemple, si jamais il perd contre le gagnant de ce match, et ben il y aura reset et donc il y aura un set de plus pour que Ecos lui aussi il ait entre guillemets deux vies dans le tournoi. Ah ok, d'accord. Donc c'est juste une question de pour rester un petit peu équitable quoi. Ok, d'accord. Ok, parce que ouais, je comprenais, j'avais jamais compris ça. Attends, Pentagon, il a pas fait au setup normal, il y a eu avec une Banjo qui a gardé sa bombe et il a neutral vie sur l'explosion. Ou explosion plus contre sa broie et shield. Ah donc en fait il a vraiment counter en fait la bombe sur le shield. Ah, oh, ouais. Ah, ah, non, mais surtout que
le contre de piche sur le shield, c'est une dinguerie à quel point ça fait mal. Oh non, Terry, il revient pas à 0%. Oh non, Terry. Il s'est fait game par le beat banjo. Ouais. C'est manger la vieille plateforme qui met un tout petit dégât. Oh là là. Non, il était à 0%. Ouais, mais il a vraiment. Non, il a. Ah ouais? Ah ouais? Ah merde. 0%, c'est vraiment dur. Oh, c'est dommage, ouais. Gris qui est abattu vraiment. Oh! Oh! Le navet qui a casté l'espace. Le navet qui est vraiment. La vache! Ouais, bah. Le navet a touché, d'ailleurs ça l'a envoyé sur le stage et je pense qu'il ne s'y attendait pas, jamais tu t'attends à tech comme ça. Ça allait trop vite, vu les pourcentages qu'il avait. Ouais, c'est totalement faisable, hein. Encore une fois il est revenu, il y a plus de 30% d'écart. Hein. Ouais, franchement, Fouki, même s'il est un peu quand même en désa par rapport à Naiden, il est vraiment chaud. Il trouve ses phases, hein. Ouais. Il trouve ses phases, il remonte. Oh, il reprend le navet. Et ouais, hein, ce petit qui aurait pu tuer un s'il touchait. Oula. Là, l'ambiance pour Fubuki, c'est vraiment bizarre. Hein. Il y a un mauvais coup et c'est fini. Ah oui, hein. Là. Vous avez entendu le clang. Ping-ping. Le ping-clang. Là. Là. Ah. Oh non. Oh. Oh. Le petit. Oh non, c'est tellement triste. Oh non, c'est dommage. Il est pas sorti. Oh non. Mais le petit, il a pas touché. C'est ça. Mais quand il est sorti, il est retourné.